L'entreprise Timi découvre ce lundi 3 février 2020, après une semaine de perturbations suite à l'aspicose née de phénomènes d'enlèvement présumés d'enfants. La présence des forces de sécurité aux abords des établissements, brandie comme préalable par la Fédération des associations de parents d'élèves et par les syndicats des agents, est diversement appréciée. Il n'y a pas eu vraiment la reprise des cours, mais il y a quand même des classes qui font cours. On espère que d'ici, ça va s'améliorer, les cours vont bien reprendre. Bon, oui, par rapport au 24 janvier, c'est essayer d'aller parce que je constate un peu le calme au niveau des élèves dans les établissements et dans la circulation un peu. On a la présence des forces de l'ordre qui sont présentes dans les établissements, donc c'est un peu ça. Vraiment, tout ce qu'on espère, c'est la sécurité des élèves en milieu scolaire. Bon, on se sent pas trop en sécurité vu qu'on a les policiers, on n'arrive pas à bien quand on sort, on n'arrive pas à bien voir parce qu'on a peur, on voit les policiers, donc ça nous dérange un peu. On espère que la situation pourra un peu s'améliorer quoi. J'ai à faire mes deux cours là, j'ai permanence de 2 heures, j'ai à faire mes deux cours là. Je commence à 13h jusqu'à 15h. Malgré cette reprise du calendrier scolaire, les esprits restent hantés par la peur. Dans tous les cas, le calme est de retour et il revient aux autorités politiques de conforter cette paix sociale en milieu d'études.